Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment enregistrer une image Bitmoji à l'aide de l'extension. Donc, tout d'abord, lorsque tu es connecté à Google, si l'extension Bitmoji n'est pas disponible, donc en cliquant ici sur la liste des extensions, si elle n'est pas disponible, tu vas devoir l'installer. Donc, on fait d'abord une recherche pour l'extension Bitmoji. Donc, dans la liste, je vais aller choisir l'extension Bitmoji et je vais ensuite l'ajouter à Chrome. Lorsque j'installe l'extension, je vais devoir me connecter à mon compte. Pour se créer un compte, il faut utiliser l'application Bitmoji sur un appareil mobile. Donc, je vais me connecter à mon compte. Donc, je suis maintenant branchée sur mon compte. Si je le veux en raccourci, je peux aller ici, l'épingler. Donc, je vais avoir l'extension qui va être toujours disponible. Maintenant, lorsque j'appuie sur cette extension, je vais pouvoir faire une recherche de Bitmoji. Par exemple, celui-ci m'intéresse. Lorsque j'appuie sur le bouton droit, je peux maintenant enregistrer l'image. Donc, je vais l'avoir dans mon ordinateur ou bien la copier pour la coller éventuellement dans un document.